Ok. Bon, ça va vous? Écoutez, ouais, ça va très bien. Je vais parler avec Monsieur P pour négocier le prix en argent propre d'une arme de type ta-ta-ta-ta-ta avec son bang, chargeur. Bang. Non, c'est, ça c'est okay. Non, c'est l'autre ça. Ah oui. Pink, bon. Je suis en ville. Allez. Ah, salut Pink. Ça va Pink? Tu te souviens d'hier soir, c'est bon? Et sinon, il existe quelque chose dont on devrait savoir ou pas? Ouais, y a une dame de l'Est un peu bizarre à l'hôpital, blonde que de cheval. C'est fait. Allez, tirer dessus par des balas. Je voulais à l'hôpital. De quoi qu'est-ce qu'il y a? Elle s'est fait tirer dessus par des balas. Allez, chef. Vous allez bien, Zéro, mon chef? Ouais. Ok, toujours heureux de nous voir, à ce que je vois. Toujours. Ah, patron! Lequel? Bah, vous êtes le seul patron. Ah, vas-y, dis-moi tout. Vous avez dit qu'on avait 4 gilets jaunes. Ouais. Non, mais c'est bon, il y a une enquête qui est menée. La personne risque de se faire déchirer son visa, à mon avis. Ah, super, c'est vrai, fils de pute. Oh, oui. On pourrait pas juste savoir qui c'est, le goumer nous-mêmes? Si, on le saura. Mais. Ah, bien. Ils iront voir dans les logs. Super. Les quoi? Les logs. Vous voulez pas du Loch Ness? Non, mais non, les logs. Mais putain, les gars, c'est un coffre électronique, bordel. Y'a un historique. Et vous croyez quoi? Ici, on s'est bien équipé. Hein, ouais, mais la sécurité, c'est VPN Loch Ness. C'est NordVPN. Ah, un coup de trop cher, on s'est pas assez d'argent. Vous êtes youtubeur? C'est quoi ça, youtubeur? Je connais pas, putain. C'est des gens, ils font des vidéos sur la toile et ils vendent des VPN. Ils font des vidéos sur la toile? Ouais, ils font des vidéos sur la toile d'internet et ils vendent des VPN. Ça apporte de l'argent, cette connerie ou pas? Je sais pas, mais ils vendent des VPN. Ouais, mais c'est que ça doit apporter de l'argent. Des fois, après les VPN, ils parlent de quelque chose. Ils parlent pas, y'a pas un truc qui s'appelle Raid? Tu peux avoir 50 personnages différents sur un jeu mobile. Black en ville. Quoi? Raid! C'est un putain de jeu bien foutu. Ah oui, un jeu mobile comme tout. Avec des graphismes incroyables. Avec des... Exactement, ouais, vous connaissez aussi, putain. Ah, c'est pas ce jeu que... Moi, j'aime pas trop les jeux mobiles en général, mais celui-là, il est vraiment bien. Ouais, il change des autres jeux mobiles. C'est Raid. Ah, bonsoir, monsieur McGallaghan. Bonjour. Bonsoir, vous allez bien, monsieur? Très bien, vous? Bah ouais, vous avez l'air tous essoufflés, là. Non, moi j'attends un médecin, merci. J'ai un rendez-vous avec madame Hill. Très bien, vous pouvez venir, s'il vous plaît, monsieur? Ouais, bien sûr. Faut que je joue un tout petit truc. Dubai, bon, radio. Vous êtes au courant que le coffre, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans, et vous ne pouvez pas voir. Ouais, j'ai reçu un message de monsieur Mo. Bon, je vais t'expliquer quelque chose. Est-ce que t'as pris quelque chose dans le coffre dans les dernières 24 heures? Non, pas du tout, non, monsieur. Est-ce que t'es sûr de toi? Oui, monsieur. Est-ce que t'as vu quelqu'un du service venir prendre le boulot? Non, je suis pas encore passé au service taxi, je suis sorti de mon hôtel, je suis allé ici direct à l'hôpital. Ok, donc tu sais pas qui est venu prendre du service, quoi? Non, pas du tout, monsieur. Très bien, merci à toi. Bon, fais attention à toi. Monsieur Black, quoi de prévu? Ouais, je vais rendez-vous avec madame Mille pour passer le PPA. Très bien, bon bah allez, bonne soirée. Pour l'instant, rien. Merci, bonne soirée, patron. Bonne soirée. Et après, je vais prendre le service. Ouais, je suis à la recherche du fils de pute qui a pris qui est dans la caisse. Ouais, d'ailleurs, si vous trouvez notre ami japonais, on peut s'en occuper. Et ce soir maintenant, tout le monde est là. Ouais, clairement. Apparemment, mon boss il avoue avec toi pour vendre une, comme il appelle ça, une piou-piou. Un truc qui fait ta-ta-ta. Ouais, j'ai vu avec lui pour le ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Il m'a dit que vous lui avez pété les couilles parce que vous essayez de négocier au prix. Ouais, mais bon, sinon c'est pas possible. C'est normal. Ouais. Ça ferait peut-être beaucoup si on récupérait une autre entreprise. Non, ça ferait trop. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous étiez là il y a 2 secondes. Je comprends plus rien, putain de merde. Bah, parce que je marche en fait. Mais il y a des esprits, bordel de merde, dans cette ville. C'est pignon qui s'est acheté une zone d'or. Là, tu vas à ta droite. Bien, vous. Bah, ça va? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Vous êtes fatigué? Non, je suis pas fatigué, je vous remercie. Qu'est-ce que faites-vous, monsieur? D'accord. Ouais, la Zentorno, c'est pour Kelly. Ok, il y a un japonais à l'hôpital. C'est quoi son nom? J'en sais rien, il dit Zetsu. Ils ont tout changé de coupe et tout. Hein, Ouais, et là, on recherche. Ouais, là, on recherche un certain Akio Kato. J'ai demandé à Pink de jouer sur ce réseau et de le trouver. Ouais, mais putain, ça va être dur. Moi, je vais aller chercher un véhicule. Je vais attendre. Répète le blaze du gars. Akio Kato. Ok, bon, je vais tenter d'user de mes charmes. Pour info, j'ai un véhicule 4 places rapide. Akio Kato. Ok, zéro de Blue. Ouais. Tu nous autorises à kidnapper un certain Akio Kato? Ouais. Champion, dès que vous l'avez, je vous envoie une position et on s'en occupera là-bas. Bonjour monsieur, vous allez bien? Ah oui. Revenez-moi avec moi s'il vous plaît. D'accord. Vous voyez la personne japonaise là, qui est ici dans l'hôpital avec nous? Les cousins. Personne japonaise? Ouais, qui a les cheveux blancs et rasés sur le côté, il est japonais. D'accord. Voilà. Arrangez-vous pour m'avoir son nom et son prénom de manière discrète. Demandez-lui comment ça va, etc. Et vous m'enverrez un message, vous avez mon numéro. D'accord, vas-y, je fais ça. S'il vous plaît. Ok, ouais, Yellow est toujours à l'hôpital. Apparemment, il y a des... Comment dire? Des japonais à l'hôpital. On ne sait pas si c'est eux. Je suis dessus avec un employé qui a, vous savez, une coupe de merde. Un balai à brosse. Okay. Pink, okay. Pour radio, j'ai rendez-vous. Je serai off pendant quelques minutes. Merci. Bien. Avec qui tu as rendez-vous? Monsieur Pignol, le patron de la... Mes couilles, ouais, bien. Black.
Il faut que tu chopes, s'il te plaît, le blast du japonais là qui est parti là, de l'hôpital. Faites attention, Boss Black n'est pas sur la radio et si vous êtes en face de lui, ne l'appelez pas, val son pseudo. Je suis tout seul, y a pas de souci, t'inquiète. Black, s'il te plaît, comment s'appelait la personne qui était dans l'hôpital, le japonais? Akio Kato. Attendez, mais c'est lui. Et l'autre, Kunjuro. Attendez, messieurs, Blue. Non, c'est. Va falloir répondre, messieurs. Hein. Ils ont tous coupé leur radio, je crois. Des Blue pour tous, je n'ai plus aucune nouvelle de White, il répond non, plus non, au téléphone. Mais attends. Comment il s'appelait? Akio? Akio? Oui, Akio, Akio Kato. Kato. Mais c'était lui, putain! Mais débutez vos radios quand on essaye de vous parler! Il est où? Il vient de sortir de l'hôpital au calme! Ah, c'est pas vrai, bordel! C'est pas grave, il ressemblait à quoi? Incapable. Ok, mais où ça? Pourquoi? Mais putain, Black! C'était celui avec les cheveux blancs! Aucune idée, j'ai pas vu. Il a changé de coupe entre temps. Avant, il était pas comme ça. Mais putain, mais. Ben oui, mais on le recherche justement! Oui, j'avais pas son identité là en arrivant. Bon. Ok, donc c'est le gars aux cheveux blancs. Il s'appelait bien avec Coquette aussi, vous cherchez. Ouais, c'est le gars aux cheveux blancs. Ok, on va le trouver maintenant. White, les flics ou sur le coup de quoi? Il y a des flics partout. Ils poursuivent des voitures vertes, ils poursuivent des gars en moto jaune. Et là, il y a deux voitures vertes après les flics là. Merci, monsieur. Il y a aussi Boer qui vient de voir. Ouais, donc il pourra chasser, familiser les vagos, quoi. Ouais, il y en a un troisième et il y a deux voitures vertes des vagos. Ouais, toi. Ils tournent aussi. Putain, on l'avait, c'est Hugo des putains, on vient de le perdre. C'est pas grave. Non, il est toujours devant le LSMS. Ah bon? Le japonais est devant l'hôpital? Si. Les flics prennent en chasse en ce moment. Il est en train de parler avec Black. Ok, Black là. J'y vais avoir besoin de. S'il vous plaît, changez-vous ou autre, je vais avoir besoin d'aide. Pour ma part, messieurs, je vais pas pouvoir faire d'action aujourd'hui, je vais pouvoir faire que de l'information. Je me suis fait casser avec la bagnole. Ok, Black, dis juste oui, s'il te plaît. Si c'est bien la personne qu'on recherche en face de toi. Attends, le mec non. Qui est dans la salle d'attente, Black. C'est pas lui. Il m'a pas donné son nom. Enfin, il m'a donné son nom, mais c'est pas lui. Il y a un chinois dans l'hôpital, c'est Liu, un autre. Attendez. C'est lui qui m'a donné son nom. C'est qui celui qu'on recherche? Répétez une dernière fois là. Akio Kato. Akio, retenez Akio. Akio Kato. Parce qu'il y a un mec, il a dit Yuo à la personne des taxis là qui a un truc de balai. Ouais, Liuo Sama, c'est le mec qui était un blond avec une crêpe bizarre dans l'hôpital. Voilà, bah lui il a les cheveux blancs. J'ai noté le nom. Ouais, bah c'est pas lui. Okay. À quoi ressemble Akio s'il vous plaît? Est-ce que quelqu'un peut nous dire à quoi ressemble Akio maintenant? On ne sait pas. Il y a une photo sur le tableau membre beaucoup plus haut. Ouais. Si vous remontez un peu les infos, il y a une photo de lui quand on l'avait attrapé, mais depuis on l'a plus. On sait pas. T'es où, White? Je suis là. Est-ce que Black, tu peux vérifier dans les dossiers si y en a un qui est venu aujourd'hui? Mais y en a un qui est en train de se faire soigner au bloc, enfin en tout cas il est parti vers le bloc de japonais, donc ça se trouve c'est lui. Non, il n'y a pas possibilité de voir ce qui est passé aujourd'hui, ça va être compliqué. La tête de Madaron direct moi tout de suite. Pourquoi il se prend lui? Bonsoir. Bonsoir messieurs, vous allez bien? Bonsoir patron, ça va bien vous? Ouais ça va, dites voir, il y a beaucoup de bordel là en ville là, vous savez ce qui se passe ou pas? Je viens d'arriver et je vois des mecs. Ouais, il y a les flics qui sont sur nos côtés depuis tout à l'heure, ils ont embarqué un deux motos qui traînent devant la banque centrale depuis tout à l'heure. Ok d'accord, super, bah merci de m'avoir tenu au courant, faites attention à vous, hein, ça traîne vraiment partout là. Y'a pas de soucis, merci. Des Blues, on arrive devant l'hôpital. Attendez messieurs, j'avais oublié de vous poser une petite question. Ouais. Attendez, bougez pas. Bon, ouais, je savais que normalement vous n'êtes pas censé savoir ce qu'il y a dans les comptes de l'entreprise, monsieur. LSMS, ok. Ouais, tout à fait, j'ai fait remonter. Ah, t'es à la police toi là? Ouais, là je suis. Comment ça s'appelle? Aux autorités qui vous ont remis. Plein gré, je ne savais pas. Ah, d'accord, c'était vous. Je m'excuse. Ouais. Non, mais il n'y a pas de soucis. Ils ont tout remis et mon. Je savais pas que je ne pouvais pas accéder. Alors, attends, est-ce que t'as pris un truc ces dernières 24 heures? L'hôpital, bien lui, j'ai voulu essayer. Attends, viens voir. Ok, de nous, on est prêts. Ils sont tous prêts à crever plutôt que des infos, il fera pas. Ouais. Vas-y. Avec le groupe, on prévoit de s'acheter des gilets. Et j'ai vu que. Ah, ils voulaient choper un japonais pour savoir où ils sont. Ils remettent tout de suite après. Et en fait, j'ai remarqué qu'en l'essayant, on pouvait pas le remettre. Ouais, tu pouvais plus l'enlever. Ouais. Du coup, j'ai contacté votre autorité qui vous l'ont remis. D'accord, super. Bon, merci à toi de ton honnêteté. Et par contre, très important, hein, t'as rien vu, hein. T'es pas là. Ah pas ouais. Censé, hein. Tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, y'a pas de soucis, hein. Voilà. Ouais, parce que t'es pas censé, hein. C'est des problèmes du gouvernement, ça, malheureusement. Ah oui. Allez. Moi, je soutiens les gens qui sont dans ce domaine. Merci de ton honnêteté, en tout cas. Allez, bonne soirée, patron. Bonne soirée. Bon, écoutez, si je peux me permettre, et si je peux me permettre aussi, on prend un putain de japonais, là. D'accord. On lui nique sa race, et s'il veut pas donner d'infos, une balle dans la tête et ça dégage. Il nous faut un japonais. Évidemment, sous l'approbation de monsieur Zéro. Hein. Ouais, vous savez qu'il donnera rien et qu'il donnera pas son pote. Son pote, il va vite aller rentrer à l'hôtel si on fait ça. Dans ces
ces cas-là, c'est une balle dans la tête. Et son pote, il aura le visage sûrement déchiré. Sois pas défaitiste, Zero, autant qu'on essaye, hein. À vous de voir, messieurs. Par contre, messieurs, enfin, tout ce qui est sur l'IO et tout, enfin, tous les noms que vous avez donnés, à part Akio, c'est des gens que j'ai eu à la raffinerie il y a déjà un bon moment. Donc, ça se trouve, c'est pas le même groupe de japonais. Ouais, l'IO, on a dit qu'il était à la raffinerie. C'est un peu tiré par les cheveux des chauves que de choper un japonais pour savoir où est Akio, tu vois. Ils se connaissent pas tous. Ouais, mais bon, on a sur un malentendu, peut-être qu'ils se connaissent. Non, il n'y a pas de malentendu et on n'aura rien pour le prouver, tu vois ce que je veux dire. On peut pas les attraper comme ça pour leur demander ça, tu vois. Quelqu'un des nouvelles de la Russe ? Non, personne à la Moscou. Ah bah je vais y aller, tiens. La Russe, apparemment, elle était au bloc. Hein. Ouais, il y a un moment, elle a dû être soignée depuis. Ouais, Black, bah ouais, parce que Black, il nous l'aurait dit sinon. Putain, et l'employé du taxi, il est en service ce soir là, le Takashi ou je sais pas quoi là ? J'en ai aucune idée. Non. Est-ce que vous pensez que Black pourrait lui poser des questions discrètement sur Akio ? Ou ça va le griller ? Bah, le problème, c'est que c'est Black. Ouais. Je veux dire, quelqu'un doté d'un cerveau. Comment t'expliquer ? Quelqu'un doté d'un cerveau normal pourrait lui faire comprendre, mais là, ça risque d'être compliqué. Après, s'il pose les bonnes questions, il peut. Il peut clairement. Il faut vraiment qu'il pose les bonnes questions. Voilà, vous m'évitez. Hein. Voilà, merci. Tu l'avais soigné Akio, Black ? Ouais, t'as oublié que tu... Bon bah dis-nous à quoi il ressemble alors, putain. Tu l'avais... Il ressemblait à la photo hein, qu'il y avait sur le tableau. Ouais, tu l'as soigné pour quoi ? Bah c'est une Tix qui s'est chargée, j'ai regardé juste si ça a été fait. D'accord. Et ça a été fait quand ? Messieurs, je suis à la salle de sport. Attends, j'ai regardé. Apparemment, il a reçu des coups de couteau il y a pas longtemps. Soit hier, soit avant-hier. D'accord. Messieurs, oubliez pas de vous renseigner sur 09 aussi. Hein. C'est fait, c'est mon indic chez les flics qui me donne des infos. Ouais, t'es au courant de ce qu'on doit lui faire, hein. Ah bah, si on est convoqué au commissariat. Yes, j'y vais. A tout de suite, hein. Ah, j'ai hâte. Familise à la salle de muscu. Ouais, moi. Tiens. Ouais, je suis arrivé, t'es où, toi ? C'est juste pour me demander ça, putain, je suis en route. Ok, non mais c'est pour savoir si je t'attends ou pas, en fait. Attends-moi si tu veux, mais je sais pas pourquoi nous convoque. Bah justement, moi non plus. Donc je t'attends, tu te dépêches. Ouais, je l'ai biatch. Blue pour Yellow, tu fais quoi ? Bonjour. Bonjour, monsieur, vous allez bien ou quoi ? Ça va, rigoler, putain. Tourne en ville, s'il te plaît, essaye d'avoir des infos sur ce putain de Akio. Quoi de beau, là ? Ouais, pas grand-chose, hein. Non, on a aucune idée, il nous a dit à Grove Street, mais c'est une putain de mytho. Il nous a dit qu'il s'appelait Sébastien. En ce moment, je suis beaucoup plus dans l'événementiel. Ah, t'as changé de boulot ou c'est pas encore ? Mec, à radio, il est à l'hôpital actuellement. Je travaille toujours à l'hôpital. Quoi ? Faut sur il est à l'hôpital, Costa Rose. Costa Rose ? Il est en train de se faire soigner, il va ressortir dans pas longtemps. Allez, c'est parti. On est à proximité. Yellow, tu montes avec nous ou tu restes à part ? Je reste à part, je vais voler un véhicule. Oui, bah du coup, on travaille moins à l'hôpital. Ouais, je comprends bien. Ouais, mais c'est bien, il y a plein d'employés, c'est plutôt cool. Ouais, très bien, on se prépare. Je vais vous laisser. Zéro, tu es où ? Ah putain, c'est la merde. Eh ben bonne soirée. Bonne soirée. Bonjour monsieur. Black, tu nous dis quand il sort. Costa Rose, putain, c'est ça ? Il est où ton béret, bordel ? Je l'ai jeté. Y'a personne. Y'a personne, viens. Ouais, quoi, y'a personne ? Mais comment ça, tu l'as jeté ? Attends, tu vas pas le remettre ? Non. Non, mais ça y est, t'as des. Nouveau style, nouvelle coupe ? Blue et White, on arrive sur zone. Ok, t'es au courant ou pas ? De ce qui se passe sur radio actuellement. Rappelez-vous, hein, on les chope pas. Non, je suis pas sur radio. On les chope ailleurs. Ils ont trouvé la proie. Ouais, mais voilà, mais pourquoi on me fait chier alors ? Il y a un véhicule de l'homme devant l'hôpital. Donc je vais m'habiller et je me prépare. Ouais. Eh, dis-le si on me fait chier. Hein. Ouais, littéralement. Tu veux qu'on se batte ou pas là ? Attends, ouais. D'abord j'enfile. Ok, attends, Akio, voilà, il est à l'hôpital. Hop, voilà, allez, viens. J'ai une info qui peut vous intéresser, messieurs. Je vais faire un article sur ça là. Vendredi, 22h, vente aux enchères de la Syrie. Bon, vous l'avez chopé ou pas ? Non, il est à l'hôpital, on est prêt. Blue et White, on est en place devant l'hôpital, on attend. Ok, c'est radio, je vais à l'emplacement. On se prépare tous s'il vous plaît, Akio. Attends, Black, il s'en va ? Ouais. Ok, on est prêt à intervenir. Yellow, tu es bon ? Ouais, j'arrive sur place dans 30 secondes. Faut qu'on le suive et qu'on le chope à un endroit un peu plus discret, s'il y a la police, c'est chaud. Ok, il y a quelqu'un qui sort là, c'est lui ou pas ? On a aucune visibilité. White, tu le vois ou pas ? Devant l'hôpital, c'est quoi, c'est qui ? Vous chopez que lui, hein, pas un autre. Bah, s'ils sont deux, on en chope un, on le dépose plus. C'est quoi le gars qui court ? C'est lui ou pas ? Si vous en chopez deux, vous en déposez un loin, okay. Vous prenez son téléphone, vous mettez à poil, et là, si vous la ramenez. Vas-y, braque-le. Arrête-toi, monte dans la bagnole, dépêche-toi, monte dans la bagnole. Allez, monte, putain, dépêche-toi ! Toi, ferme ta gueule, égoulé putain, monte dans cette bagnole. Non, l'autre, la noire derrière. Allez, mine-toi. On a la cible, messieurs. Ok, dans... On est en déplacement. Ouais, continuez à vous déplacer, je vous envoie ça bientôt. Ok. Dans très peu, quelques secondes. Messieurs, okay. White et Blue, fais un endroit calme. Il est tout seul, on est d'accord. Ouais, il est tout seul. Si l'info de Black est bonne, c'est lui. Demande-lui son nom. Ouais, demandez-lui. Avant de le fumer, on récupère des infos, messieurs. C'est bien la bonne cible. Répète, Zéro. C'est bien la bonne cible. Ouais, confirmé. Akio Kato. Ok. C'est l'un de vous qui monte en moto ? Ouais, c'est moi. J'attends qu'il y ait tout le monde sur place. Cachez-la, la moto. J'attends qu'il y ait tout le monde sur place. Avancez. Yellow, tu as ton jouet ? Bah, bien sûr. C'est bien. On lui fait un joli trou dans le crâne à ce fils de pute. C'est lui qui chantera, pas un autre.
Ping pour radio, je me change et j'arrive. Allez, descends, salope. Descends de la bagnole. De Blue pour zéro, on est sur place. Ouais, je suis un peu plus derrière. Descendez-le vers le port, là, près de l'eau. Ok. Quand on lui mettra une balle, il partira sous l'eau. Et disparaîtra. Exactement. Allez. Ici. Et monsieur Kato, bonjour. Vous allez me donner votre carte SIM, s'il vous plaît. Et on la garde, sa SIM, hein. On la garde. Et je vous retire le chiffon de votre bouche dégueulasse. Gracias. Il vous faut combien de temps, s'il vous plaît, pour tous venir? Je suis à 2 km, j'arrive. De Silver, je faisais juste un tour en vérifiant qu'il n'y ait pas de véhicule. Black, reste au boulot, hein. Reste au boulot, hein. Ouais, ouais. Sinon, c'est grillé. Que voir qu'il manque Pink et Silver. Ouais, mais de Silver, je faisais juste un tour pour vérifier qu'il n'y ait pas de véhicule suspect. Mettez la poêle. Ouais, j'attends qu'il y ait tout le monde pour commencer l'interrogatoire de mon côté, d'accord? Préparez vos plus belles armes, hein. Vous allez pouvoir lui mettre une belle balle dans la tête. Oh, vous inquiétez pas, le fusil à pompe est prêt. Blue pour boss. C'est bon, j'arrive avec Pink. Ok, ok. Donc, juste pour info, c'est à Yellow de tirer, hein, je pense. C'est le mieux par rapport aux armes et l'enregistrement de celle-ci. T'inquiète pas, t'inquiète. Non, il lui fera un trou dans le torse pendant qu'il plongera dans l'eau. Je le fume au, on le fume aux pompes, hein, on le fume pas autrement. Ouais, à bout portant en pompe, c'est bon aussi. T'inquiète qu'il va souffrir. Mais mets-toi à ces grosses distances pour pas lui foutre un coup de crosse. Hein. Oh, t'inquiète, hein, je me mettrai à distance, je lui mettrai un gros coup de pompe dans le sa mère. Allez. Bonjour monsieur. Bien, c'est qui Ayana? Ayana, c'est Olivia. Bonsoir. Merci pour tes réponses. Ah, de rien. Ah, une dernière chose, c'est qui Johnson McGulligan? C'est un taxi aussi. Ok, bien. Je vais me mettre en surveillance. Allez-y Dimitri. Bonjour monsieur, je me présente. Bonjour. Dimitri. Black à zéro, t'as bien reçu. Je me souviens très bien de vous. Comment vous appelez-vous monsieur? Akio. Vous vous appelez Akio? Oui. Vous m'avez dit que vous vous appeliez Edouard. Non, Sébastien. Sébastien, vous vous souvenez donc très bien de notre dernière entrevue. Oui. Comment allez-vous, monsieur? Avec moi pour surveiller. Ça peut aller mieux. Ça peut aller mieux, je comprends la situation. Écoutez, je vais être très honnête avec vous. Je vais vous poser des questions. Il y a gré avec toi. Vous allez devoir répondre en toute honnêteté. Il y a un vélo qui passe, mais je pense que c'est un concitoyen. Dites-moi votre nom et votre prénom, monsieur. Akio Kato. Très bien. Nous avons pris votre téléphone. Je sais. Très bien. Avec qui travaillez-vous? Avec les mêmes personnes que l'autre fois. Très bien. Redisez tout ce que vous avez dit la dernière fois. On m'avait posé pas beaucoup de questions, moi, donc c'est pas moi qui a parlé le plus. Très bien. Et ben continuez, parlez s'il vous plaît. Je vous ai dit que je savais qu'il y avait des personnes noires qui travaillent avec nous. Je suis Akuma noir, quoi. Très bien. Parlez-nous un peu plus de ces Akuma noirs. Traîne beaucoup autour de l'entrepôt de taxi. Très bien. De toute façon, c'est vous, je suis pas con. Très bien. Transmissez-lui, hein, putain. Vous faites de la weed. Très bien. Et j'ai rien de plus, hein. Vous avez rien de plus? Non, pas du tout. Comment s'appelle le collègue qui était avec vous la dernière fois? Je sais plus comment il s'appelle. Vous avez oublié? On m'a jamais dit son nom. Il n'a jamais dit son nom? Non. Vous vous foutez pas un peu de ma gueule? Non. Vous êtes pas sûr? Pas de votre gueule. Très sûr. Il a pas peur, non, monsieur. Bah, c'est si j'ai peur. Ah ouais, ça se voit. Parce que moi, c'est pareil. Quand j'ai peur, je dis de la merde, je mens et je passe vraiment pour un gros. Et je rigole. Monsieur, ah oui, écoutez-moi, je rigole aussi. Avez-vous peur de la mort? Comme tout le monde. Très bien. Je vais répéter la même question que la dernière fois. Seriez-vous prêt à mourir pour ne pas donner d'informations? Oui. Très bien. Laissez-moi vous dire juste une chose. Vous allez mourir. Est-ce que vous comprenez ces paroles? Allez-y, tuez-moi alors. Très bien. Passez une bonne soirée en enfer, monsieur. Ah mais attendez! Travers, messieurs. Eh, je vous l'ai dit, hein. Donc sortez, il y a un autre flingue, une balle dans la tête, on n'en parle plus, allez. Vraiment le pire tireur que j'ai vu, hein. Non mais je vous l'ai dit, ça marchait pas, putain. Il a pris 8 balles, c'est bon, on n'en parle plus, allez. Allez, bonne soirée. On s'en va. On se tire, messieurs. Attendez, je remets une petite balle dans le cul. Allez, régale, hein. Aïe. Je veux pas retrouver un gramme de peau sur lui. GG, messieurs, ça c'est fait. Messieurs, c'est qui m'a mis un gros coup? J'ai mal la gueule, hein. Je crois que c'est White. Avant de mourir, il même pas de regret ni rien. Il quand même il avait pas peur de mourir, il s'en battait les couilles. Et puis il savait exactement que c'était nous. Ah bah oui, il a dit si vous êtes les taxis, le gang des Akuma Noirs. Vous faites de la weed. Il a bien le staff, messieurs, qu'il doit mourir. Qu'il doit pas refaire une unité X. Blague, vérifie qu'il est bien mort. Je lui ai reposé la question, il a dit allez-y. Hop, ça dégage. White, tu as terminé? Rappelez-moi son pseudo, s'il vous plaît, une dernière fois son nom prénom, s'il vous plaît. Akio Kato. Ok, super. Merci, messieurs. De White, je l'ai enlevé, je l'ai défiguré, je l'ai planté, je lui ai enlevé ses dents et lui ai enlevé aussi les empreintes digitales. Ah ouais, c'est pas mal. Tu l'as appelé John Doe aussi ou comment ça se passe? Bien joué, Dexter. Hein. On aurait pu poster une photo de sa sale gueule sur Twitter quand même. Vas-y, on y retourne. On reprend une photo. Il nous faut un compte anonyme. Un compte anonyme, si vous voulez, j'ai Stig. Sushi. Mais Stig. Un compte jamais utilisé, je pense, c'est mieux. Hein. Je pense aussi. Et ben voilà. Mais on va pas tous y mettre, mettez-vous seulement. Non, il est mort. Et si on poste un message, on l'a troué. Quand on est comme.
C'est qu'une petite partie de l'équipe. Ah, il y en a un autre qui doit y passer, hein, vous le savez. Hein, parce que c'était pas lui le principal. Hein. Lui, c'était juste le sous-fifre. L'autre, on le retrouve, on l'encule. Zéro, je vais au commissariat pour la convocation. T'es sûr, boss? Ouais, il me semble que c'était lui le principal. Hein. Non. C'était le sous-fifre. C'est pour ça que je vais demander de reposer la question. J'ai pris ma plus belle GoPro, les gars. On pourra se mater un bon boulard avec ça. C'est pour ça que je vais demander, je vais reposer la question s'il était prêt à mourir pour pas donner d'infos. De toute façon, il l'a même dit. Il a dit c'est pas moi qui ai parlé le plus, c'était mon collègue. Ouais, non, mais bien sûr. Donc, par contre, son pote va falloir le trouver. Hein. Faudra qu'on trouve son nom, son prénom. Vous savez s'il est en ville ? Aucune idée pour l'instant. Mais on le trouvera, t'inquiète pas, il y passera. En espérant qu'il ait une mort plus honorable, ce chien. Vous êtes policier ? En fond, on voit le barrage. Vous êtes policier ? Oui, d'accord, mais... Monsieur, vous m'entendez comment ou pas ? Ouais, j'entends comme vous, vous inquiétez pas. Monsieur, vous avez un problème ? Oh, je suis là ! Monsieur ? Ah, désolé, j'avais... Vous arrivez les autres ou quoi ? Un truc dans l'oreille. Oui, excusez-moi, c'est quoi votre question, monsieur ? Vous êtes policier pour moi. Ah non, pourquoi ? Ah, dommage. Ah, en fait, j'ai sa carte aussi, mais avec ses contacts. Vous savez qu'il y a un policier derrière. Ah, bah, je le voyais pas. Ah, je viens de le voir. Oh, du coup, par contre, le fusil à pompe, c'est un peu de la merde. Hein. Putain, ils ont foutu la marge. Je pense surtout que c'est le réticule qui est un peu merdique. Je l'avais dit. Ouais, tu disais quoi, excuse-moi ? Qu'ils avaient foutu cette putain de marche. La dernière fois, je suis venu en courant ici, je suis tombé juste ici, j'ai laissé une trace de sang pendant 4 jours. Du coup, on attend qui de plus ? Ah, c'est bon, vas-y, à 2 heures. Moi, j'ai hâte de savoir pourquoi je suis convoqué. Il est juste là, à ma gauche. Non, mais toi, ouais. Ok, vas-y, voilà. Et voilà. Bougez plus. Merci beaucoup. Faites attention à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Ouais, dites-moi, on est convoqué au commissariat, on aimerait ça. Pourquoi ? Oui, mais on pourra pas les coups. Vous êtes messieurs. Emmanuel Macron et Donald Trump. Emmanuel Lagarde. Moi, je vous ai pas convoqué. Morenteng et Johnson Mangalaga. D'accord, bah je vais vous. Suivez-moi, monsieur Von Tank, s'il vous plaît. Je viens vous chercher juste après, monsieur. Ah, d'accord. Adieu, mon. Adieu. A plus. Putain, je t'aimais, moi. Ouais, j'ai une petite info, là. En tout cas, monsieur l'agent, cette affaire entre monsieur Johnson et Raven au Beniz, c'était vraiment il y a longtemps, hein, donc désolé, c'est pas pu tout donner comme information, mais je me souviens pas de tout. Putain, c'est vraiment pour ça, quoi. La gueule qu'ils ont. Ouais, je comprends, mais bon, comme je vous ai dit, tout ce que je me souviens, c'est que monsieur Johnson lui a demandé de se taire et il s'est mis à l'insulter de tous les noms, enfin, de se faire enculer et tout. Du coup, Johnson lui a répondu d'une droite, ce qui était mérité. Et que j'étais assez fermé. Une belle salope. Merci. Allez, bonne journée. Ok, j'ai une info. Apparemment, il passe le PPA, celui qu'on recherche. L'autre, s'il vous plaît, on a besoin de blagues sur le coup. Tiens, tu peux t'en occuper, s'il te plaît. Boss, c'est clairement la merde. Hein. Les autres sont sur le point de se faire choper. Hein. Par qui ? Bah, par les flics. Comme par hasard, il y a les flics sur la zone. Bonjour, monsieur, vous allez bien ? Très bien, et vous ? Monsieur McGilligan, c'est bien ça ? Allez. Moi, je suis caché. Les derniers mots de Blon ont été « Oh merde », donc on sait pas ce qui lui est arrivé. Alors, vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Oh, ça va aller, monsieur. D'accord. Alors, votre convocation est au sujet d'une plainte qui a eu le 25-08. 25-08, putain, c'était juste avant mon anniversaire. Ah, du coup, c'est une plainte contre vous. Ok, super. De monsieur Raven Windsor. Ouais, il existe encore, lui. Du coup, on essaie d'enquêter sur cette plainte. Ouais. Et on aimerait avoir votre version des faits. Écoutez... Si vous vous rappelez, bien sûr. Ouais, non, mais je crois savoir. Attends, c'est quand je lui ai mis une claque, là, devant le Beniz. C'est bien ça. Ouais. Ouais, écoutez, ce débile mental là, quand je suis sorti du Beniz, il m'insultait gratuitement. Il m'insultait de tous les noms, donc forcément, je suis allé sur lui et je lui ai mis une claque juste pour lui faire comprendre. Rien de plus, ni plus ni moins. Vous savez, dans cette ville, il y en a qui ont besoin d'une petite correction, hein, monsieur l'agent. Oui, mais il faut pas se faire justice soi-même. Ouais, mais quand on vous insulte devant du monde, on n'a pas tous un sang-froid d'acier. Hein. La loi, c'est vous, mais quand la loi est arrivée, ils en avaient rien à branler. Donc au bout d'un moment, j'étais obligé de le faire. Donc, il vous a juste insulté, mais vous avez mis quand même le premier coup. Ah, j'ai mis une claque. D'accord. C'est quoi une claque, monsieur l'agent, entre nous ? Dans la vie, vous savez, on mérite tous des claques de temps en temps, hein. Et lui, ça faisait longtemps qu'il en avait pas eu, apparemment. Il s'est rien passé d'autre. Bah non, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe d'autre ? Les flics, ils étaient là. C'est bien pris. Y avait-il d'autres témoins ? Mis à part votre employé ? Ouais, y avait Ah putain. Ouais, y avait de mon demi-frère. Ah putain. Mais il est plus là, bordel. Ah, me parlez pas de lui, ça va me faire remonter des choses terribles. D'accord. Ah putain. Malheureusement, je crois qu'il est... décédé. Ah, mes condoléances. Ouais, c'est pas facile. Et sinon, il y avait la police. Vous vous souvenez les agents qui étaient présents ? Oh putain. Ah non, vous portez tous un numéro. Moi, c'était le 25. Hein. Je vous cache pas qu'entre-temps, j'ai maté un sacré nombre de boulards. Hein.
et je vais me renseigner. Sur les boulards ou... Sur les agents qui étaient présents. Ah d'accord, ok. Parce que si vous voulez vous renseigner sur les boulards, je m'en souviens par contre. Il y avait BBC Megalo Swallow, ça vous dit quelque chose? Négatif. C'était le 8ème épisode. Double gouvernail sénégalais, putain, je m'en souviens comme si c'était hier. Ah oh, putain, je suis encore ému de cette vidéo. Ah, c'est 14 minutes de plaisir, c'est moi qui vous le dis. Ah, c'est bien pris, je m'en renseignerai. Notez-le dans le rapport quand même. Négatif, on fera ça. Non, parce que c'était le soir même, hein. Vous vous souvenez beaucoup de choses, on dirait. Oh, bah vous savez, j'ai une bonne mémoire. BBC Megalo Swallow, oubliez pas, hein. Vous noterez quand même. Hey, si entre nous, vous pouvez passer le bon plan au commandant ou au capitaine, vous voyez ce que je veux dire? Je m'aventurerai pas de là-dedans. Mais si, mais n'hésitez pas, arrêtez. Je vous sens beaucoup trop gêné. Et vous savez quoi? Je vais quitter ce bureau, vous allez être tout seul. Hey, vous allez sur Google, là, vous avez Google là-dessus, là. Hey. Négatif, c'est bloqué. Bah putain, c'est pas vrai. Hey, entre nous, vous allez sur votre téléphone et vous vous régalez. Vous savez quoi, c'est pour moi. Hein. Pensez à moi, mais pas trop. Hein. Ah, c'est bien pris. Vous vous souvenez que de ça, concernant les... événement du 25-08. Bah ouais, parce qu'il s'est passé que ça, pourquoi? Ok. Il était censé se passer autre chose. Ah non, après, je crois que mon demi-frère, il lui a enculé sa mère. Il a tapé votre demi-frère? Ah oui, oui. Ah, il a pas tapé, il lui a couru après, il lui a tabassé la gueule. D'accord, comment s'appelait votre demi-frère? Dawson Joe. Mais ça va être dur de le retrouver, hein. Parce que, bah, je viens de vous dire, en fait. À moins de déterrer ses grands morts, putain. Ah, c'est bien pris. En tout cas, c'est bon pour moi, si vous avez... Mais attendez, parce oui. Que le Raven, je le connais, là, c'est une énergumène. S'il y a quelque chose à cacher, là, il était censé se passer autre chose après, parce que sinon, je porte plainte pour discrimination. Moi, je suis directeur du service taxi, j'ai pas que ça à branler, que des petits branleurs comme lui, là. Non, il a juste porté plainte parce que vous l'avez frappé. Ah! Ouais, bah c'est normal, une bonne claque, ça fait de mal à personne, comme je vous ai dit. Mais voilà, vu que ça date environ d'un mois, donc il faut faire avancer quand même les plaintes. Et... Ah, ça, je vous le fais pas dire. En tout cas, merci d'être venu, monsieur. Du coup, je vais voir. Ouais, diffamation. C'est bon, 08? Ouais. Ok. Et oubliez pas, hein, ça reste entre vous et moi, 08. Hein. Je vous fais des petits clins d'œil, là, vous me voyez ou pas travers mes lunettes? Négatif. Mais si, regardez bien, ça reste entre nous. Dites rien, s'il vous plaît. Et pensez au double gouvernail, hein. Très important aussi. Hein. Oh, c'est un plaisir, véritable bonheur. Allez, passez une bonne journée. Ouais, de même. Au revoir. Ouais, vous êtes en train de rougir, hein, 08, hein. Attention, hein. Ouais, négatif. Ah, si, hein. Black, est-ce que t'as eu... T'as reçu des appels pour quelqu'un qui se serait noyé et qui serait Emmanuel Racal? Aucun. Que ce soit pour lui ou l'autre. Black, je vais arriver à l'hosto, je vais me changer et tu vas me soigner, j'ai pris un coup de batte. Alors attendez, c'est la merde parce qu'apparemment Emmanuel... Est-ce que White est en sécurité? Il est avec moi. Ok. Putain, mais c'est pas vrai, faut toujours qu'il se mette dans les pires coups celui-là. Hein. Ah, mais il m'a expliqué en fait qu'ils ont... que lui et Blue, ils ont sauté dans l'eau et depuis plus rien pour Blue. Ouais, mais dans la panique, il a... Dans la panique, il a peut-être jeté sa carte SIM. Alors possible, mais il a peur d'être radio aussi. Espérons qu'il ait pas atterri sur un rocher ou un truc. À tous les coups, il s'est noyé cet après-midi. Parce qu'il n'y a pas de voiture de flics qui sont...